Melnik et moi avions quitté le train, puis on avait grimpé le tunnel qui menait au théâtre Korolev. On était arrivé près de la tour Ostampino. Là, au milieu des rues gelées, on avait rejoint les autres Rangers dans le combat féroce qui marquait le début de mon histoire. Content de vous voir, colonel. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Tous en cercle! Allez.
T'es un éternel optimiste, Melnik. Plus facile à dire qu'à faire. Bon, j'ai une idée. On n'a qu'à grimper sur le toit de l'ascenseur. On essaiera de déverrouiller les contrefois de blocage. Ah, allez! Viens par là! Salopard! Allez! Ah! Engage-toi dans l'armée, qui disait. Tu vas bien te marrer. Préparez-vous, ça risque de chauffer.
Artyom, à toi. Le signal est parfait. Tiens bon, encore une minute et on les aura. Nous t'arrêterons. Nous ne pouvons pas le laisser. Nous le détruirons. Thank you.
Si l'adversaire est hostile, tue-le. Procédure de lancement en cours. Artyom, les missiles sont en vol. Un homme sage a dit « Celui qui mènera une guerre pour l'amour de ses semblables vaincra ses ennemis. » J'avais mené ma guerre pour protéger ma famille, mes amis et mon foyer, le métro. On avait gagné. Mais aujourd'hui encore, je me demande, lorsque nous avons éliminé les sombres de la surface de la Terre, avons-nous aussi perdu quelque chose ?